Welcome mes gens, bienvenue pour ce nouveau samedi de l'angoisse et préparez-vous à la peur par l'écran qui va arriver. Pas d'écran. Ah ! J'ai localisé la navette Hammond. Quoi ? Ils m'ont feinté. Merde, on a un gros problème. Oh. Il manque toutes les données de navigation. Effacées. On devrait pouvoir les reconfigurer. Je cherche les disques de démarrage. J'ai pas d'accès aux portes ici, alors il te faut une clé de maintenance. D'accord. Si tu trouves ces disques, je pense qu'on pourra remettre cette navette en état de marche. Une clé de maintenance, ouais, bon, bah pourquoi pas, on va essayer. Alors on débute le chapitre 10, mes amis, donc l'épisode 10 en gros, puisqu'ils les appellent les épisodes. Alors moi je vais dire chapitre parce que mes vidéos sont découpées en épisodes. Donc chapitre 10, ça a l'air pas très catholique, on dirait même une secte là-bas qu'ils ont fait. Oh lolo. Donc ouais, je m'embarque encore à nouveau. Niveau armes, j'ai chargé tout ça, j'avais vendu une arme à la noix de coco. Hop. J'ai combien de crédits? Ouais, j'en ai pas beaucoup, donc ça vaut pas le coup de... d'aller là-bas. Attendez, il n'y a pas une ouverture. Donc c'est un ascenseur, c'est ça? Ok, bon, je vais explorer. Vous vous relevez pas les gens, hein. Ok, je fais mon marché. Vous attendrez que je repasse ici, si vous voulez. Oh, je fais à côté. J'ai l'air... j'ai envie d'aller dans cette salle, mais il m'a l'air que c'est un ascenseur personnel. Ouais, je préfère pas y aller. Il y a une ambiance là-dedans. On va plutôt suivre la trame directif. Je vous préviens, s'il y a un petit monstre tout seul qui court, je le veux pas. Voilà, ça c'est un message. Ouais, bah écoutez, nous on va save un petit coup. J'entends des voix, alors ça me fait flipper, j'aime pas entendre des voix au loin. Parce que je me dis qu'il va se passer quelque chose et là c'est le drame. On va pas le ramasser? C'est des crédits, je suis sûr. Voilà, c'était des crédits, oh là, qu'est-ce qu'il me voulait lui? Est-ce que j'ai un plan pour améliorer? J'ai envie d'améliorer mon arme encore là. Ouais, la recherche, ça va être bon. Ok. Yeah, mais j'en ai bien beaucoup des circuits, tout d'un coup. Bon, j'ai amélioré mon arme, mais cette voix ne m'inspire pas confiance, les gens. Ouais, ça vient d'ici, donc moi je vais aller là-bas. Bon, en fait, je sais pas d'où ça vient, mais c'est stressant. Ah. Quelle raison de vivre pouvez-vous trouver quand tout semble si désespéré? Le docteur Cross avait des croyances, une grande foi. Maintenant, elle attend sa transformation pour renaître. Êtes-vous prêt à la suivre, monsieur Temple? Bien entendu. Ne craignez rien. Vous pourrez revoir très bientôt. Soyez le témoin du miracle de la foi! C'est un psychopathe ce gars. Dire que je porte une barbe comme lui, ça me fait peur. Prenez-les. Ils sont à vous. On marche dans la gadoue les gens. Ah mais c'est une dent en plus qu'on doit aller. De... qu'est-ce qu'il fait? Oh la barre, on va se faire un petit cocktail. Alors je vous préviens, s'il y a un monstre géant de la mort qui tue, j'en veux pas. Vous le gardez, le cœur qui s'accélère, c'est pas normal. Putain, on se croirait dans un jeu alien là. On dirait qu'il en... ah ouais. Ah ouais. Ça rigole pas les gens. Y'a bien des... des pamplemousses.
Il repart dans son conduit. Pourquoi il y a le scientifique qui est là? Oh non, c'est pas le vrai. Bah, au final, ils sont pas venus m'attaquer. C'était une peur pour rien, il est reparti dans son petit tunnel. Bon, j'ai pas le choix, faut qu'on le suive ce rouleau. Non! On dirait le Slenderman en fait. Non! Dégage! Dégage! Ça va! Dégage le bébé! Dégage! Paf! 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 Non d'une pipe en moi! Ah! Il m'est tombé dessus! Ah. Salopio, dégage de ma gorge! J'ai pas besoin d'écharpe! Même si on est en hiver! Dégage ton poule! Ah mais non, c'est pas possible! Oh. Ah. J'ai plus de vie, hein, je le rappelle. J'ai plus de vie. Je crois que je viens d'en choper. Punaise, mais c'est l'invasion! Attendez, là je crois que j'en avais une. Ah. Il en reste un de poulpe. Voilà. Mais je vous jure, j'aime pas ces petites bêtes là. Déjà les quand ils sont en mode spectre là, ça, ça fait super peur. Oh, toi tu. Ok. Faut que je reparte maintenant, c'est ça? Vous me faites venir ici pour repartir. Je déteste faire des chemins. Ah ouais, ben c'est bien ça. On est J'ai oublié de mettre mon chrono en fait. J'ai préparé mon chronomètre, mais je l'ai complètement oublié. Bah écoutez, c'est pas trop grave, hein, on va faire sans. C'est ici que ça me fait peur. À mon avis, le balisto à la grenade, là, il va nous faire exploser. Monsieur Clark, je dois vous parler. Je suis tout près de votre position. Et si vous voulez entendre ce que j'ai à vous dire, je peux tout vous expliquer, tout ce qui s'est passé. Une fois que vous aurez les disques, je vous ouvrirai le poste de sécurité. Il faut qu'on parle. Faites vite. Bah t'es bien gentil, Marcel, mais je vais peut-être faire 100. Non. Ah, mais c'est pas possible, ça. Il y en a combien des artichauts? Mais arrêtez de me jeter des. Mais c'est qu'il m'en envoie. Il m'en envoie plein en plus, le saligo. Ah, regardez, j'ai même pas le temps de tirer sur ses tentacules. Oh non! Genre, ça les tue pas. Ça vous tue pas, bande de saligo. Aïe! C'est pas juste, je rechargeais. Purée, je vous jure, quoi. On se calme. C'est pas possible, ça. Bon. Faut que j'aille où? Là-dedans. Manque de peau, c'est fermé. Donc à mon humble avis, faut qu'on fouille. Bon là c'est mort.
Mais bon, il y a quand même ça à prendre. Ah, surtout pour ça là. Ok. On a de quoi voir, hein, je pense. Mais c'est vrai que c'est... je déteste quand il y a des monstres comme ça qui vous attaquent. Ah, ils nous font aller aux séances toilettes. Pourquoi, je ne sais pas. Ça craint. Pourquoi me faire venir? Vous le gardez, votre toilette, hein? Ah! C'est quoi qui est sorti? La bouillabaisse. Vous le gardez, votre objet. Donc c'est fermé. Pourquoi c'est fermé? Ah bah non, je suis ouvert, en fait, pas les... Très technique, très technique. Bonjour. Je veux pas vous déranger. Le système de survie du dortoir B est coupé. Il va falloir trouver un autre chemin dans le coin si tu veux atteindre la porte. Pourquoi j'entends un gros bruit? Alors, petit souci technique pour pas changer. Alors du coup, je suis allé me faire mon petit kawa. C'était quoi ce bruit? J'ai dû marcher dans des entrailles. Dedans, sur des entrailles. Ah, ah, ah non, pas encore. Alors, mais pourquoi ça tire pas? Oh, cette fois-ci, je crois que les amis, c'est la fin. La fin des temps, à tout jamais! Ah non, mais ils m'ont encore fait le coup de la tentacule, ça devient lourd à force! Non, franchement, je suis pas fan, quoi. Ça veut dire qu'il va encore avoir un monstre tentaculaire qui va venir me... Mais non, je me suis trompé. En plus, je me trompe et j'envoie une table avec moi. Purée... Et je m'en doutais, j'ai vu la pièce, j'ai fait garde moi ça, il va se passer un truc. Du coup, je suis bien dans le... Je suis rentré là en fait. Ouais, je suis rentré ici. Au final, je me suis fait traîner tout le long. Dans la saleté de tentacule. Bon, allons à l'entrepôt. De toute façon, ce qui me rassure, c'est que j'entends plus la voix. Rébis, c'est une erreur. D'accord. On va réussir là. Ok. Ouah, mais non. Non mais oh. Qui va être digéré là? Non mais c'est pas bien. De toute façon, il faut que je reparte là-bas. Au moins ça c'est fait. Et je vais me préparer parce que là je le sens que ça va être la guerre. D'accord, par là-bas. Bon, je vais faire une petite save. Ah oui, dès que je repasse, je vais faire une save moi. C'est ça, c'est clair. Je le sens pas à ce niveau. Je le sens pas du tout. On se fait traîner par une tentacule et après. Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement dangereux. Contact réseau. Ah non. Oh, il y a un balafré. On verra une carte. Postale. Ah, ils me suivent tous en fait, ces trous. L'homme tout nu est de retour. Ah mais il vient d'où lui? Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Là il va me tuer.
Environnement dangereux. Contactez un technicien. En plus, c'était là-bas, hein. Regardez ce bébé à tentacules, là. On se croira à l'hôpital. Bah alors, c'est Barou. Dites-moi que j'ai encore des... Non, c'était pas ça. J'ai pris une table avec moi. Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Je l'ai envolé, lui. Contactez un technicien. À mon avis, c'est là, mais... Ils me font tourner en rond. Là, c'était où il y a la save. Sortie zone sans... Ouh, c'était... C'était temps d'arriver. Bien rechargé. Non mais je déteste quand... En fait, vous savez... Vous pouvez me laisser parler. Donc je déteste quand il se passe ça en fait. C'est-à-dire que sans oxygène... Sauvegarde. Bon, en fait c'est là où je viens. J'ai fait tout ça pourquoi j'ai... En fait j'ai récupéré un objet, c'est ça. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe du tout. Mais écoutez... Je pourrais pas vous dire là ce qui s'est tramé. Je bois mon café. Abusé. Te revoilà, McLean. Je vous jure. Ah non. Pas ça. Non. Plus des petits crânes. C'est moi qui décide qui vient. Je déteste ce bruit. Purée, je crois que je vais te sauver ou pas. Ah, il y avait la save. Voilà. Ben mes amis, c'est ici qu'on va se quitter pour cet épisode. Je vous dis donc à de suite pour l'épisode suivant. Et surtout, portez-vous bien.